Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue de nous suivre de partout, madame, messieurs, fidèles internautes, les abonnés de Pivot Officiel Télévision. Voilà, mon abonné des émissions Bongwana, mais tout ce qui est la politique qui est en Boka Congo, mais également Nyon Sopenza, Maye, Mayali, Kotaraba Congomani, Soko Penza Boleli Zali, Bissoto Komaka. Pour la penza ko olubela yango mokolo modelo vraiment toyé particulièrement ko solo la matali expoliation ya parcelle numéro 3786 du plan cadastral de la commune de la Gombe situé 6 numéro 144 B boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe toujours donc comme to ko solo yango likambo penza oyo ezui famille Kaiga oyo madame Mwiza Raissa a ali penza ko réclamé yende ali héritière ya ici ka yewana kasi na ba homme fort ya République démocratique du Congo ba penza ba zu ici ka wana na kanza kasi kolo na yango abimi ako singa par na ye ako singa ba rétablir na ba droit mokonzi ambo ka loba ki état de droit eponi motote état de droit o lingo ba moto nyonso azonga na molongo. La pourriture ne sera plus la nourriture de la magistrature suprême. Montonion se singala dans la simami beko mi beko et à la licolo en premier lieu. Toro sur la mokolo moalelo et longo nan deko j'ai trop ngolou pour le penza ali porte-parole et la famille Kaiga na dossier ngo n'de toko kota vraiment à long et à large pour n'ato fongo et la bino na bodindo boni boni. Comment vous allez, papa? J'ai trouvé aux Aramines le côté Ali Falance. Oui, ça va un peu. J'ai dit aussi bonjour et bonne journée aussi à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'habitude de nous suivre à chaque fois. Oui. Et merci aussi de m'avoir invité. Comment se porte madame Raissa Mouiza? Oui, madame Raissa Mouiza Kaiga se porte bien, oui. Malgré ce que vous connaissez, dont vous êtes au courant, malgré Batoua Makasi, quand Dengo Tolo Wango tout à l'heure. Homme fort. Homme fort et Ambo Kanabiso, ou Babimisa Missisa, ou Babimisa Bapake, Bango Alande, Balinga Ko s'emparer Nanyos, partout, Bissika Oyo, Pona Bango Liberté, Eza, Kozwa Nyoso. Oui. Donc Pona Bango, et Loko Amuteza Rati. Oui. Et là, il y a privé, l'État, donc il suffit qu'on effectue juste un petit déplacement. Voilà, il suffit que tu ne sois pas là. Directement, voilà, ils sont dedans. Voilà, ça et puis on dit qu'on manigance pour que va récupérer. Mais si j'ai trop Ngolo, tout de suite là, on vient de dans la commune de la Gombe, on a vu comment est-ce que les militaires ont envahi la résidence auquel Toali Kobet la CT a bouillé et madame Raissa Mouiza, je l'ai vu comment est-ce qu'elle est triste. Je vais te quoi faire. C'est quoi juste les problèmes? D'abord, Nakoib Sabatou que Mbokao Toza Leloyo, je pense que na annonce Nao Tuko Martelango, Toza Souna Mboka a laissé aller Toza qui la fois passée. Oui. Parce qu'à l'époque, on vivait. Tout le monde peut se lever le matin au bureau comme il y en a et personne et puis ça reste comme ça oui ça reste comme ça personne ne va l'inquiéter personne ne va lui dire quelque chose il vient il s'empare et il s'en va mais en ce jour dans l'élo on a beaucoup à Félix Tshisekedi c'est lui qui est venu prôner la vraie et la vraie état de droit c'est ce que nous sommes en train de voir et ceux qui mentalité abattu bazoko se conformer na état de droit au mokonza mboka a tié na en œuvre c'est difficile qu'est ce qui se passe la parcelle au tiko ko cité tout à l'heure c'est une parcelle kandengo lobi ça juste na boulevard webi boulevard et à 30 juin on a ils a place moko comment dire ils a visible. Ils a visible, ils a principal, ils a c'est comme un commercial. La place Moro principale. Et parce que la famille était absente. Oui. La famille Gaïga était absente. La famille Gaïga était Bazaki Naba Occupation Nabango, Bazaki Nambokate. Je vous dis, en revenant na Katiamboka, Bamoni subitement immeuble et botin na Katia Lupang.
immeuble boti na kata lokwa la mayebo ya ngomo mayebo je vous dis bato babandi kotonga na kati ya lopango d'abord l'histoire est banine denim. La parcelle appartenait à Ezaki à monsieur Humo. Monsieur Humo Kimbibi. Voilà. Comme monsieur je vois ici mentionné. Humo Kibibi. Kibibi, ok, voilà. Kibibi. Voilà. La parcelle lui appartenait. Et c'est ce monsieur-là qui a vendu la parcelle à monsieur Gaïga. Le docteur Gaïga. Voilà, le docteur Gaïga qui était le directeur, qui était l'actionneur principal de la Société Interafricaine d'Investissement. Okay. En sigle SII. Ok. C'est cette société-là, M. Gaïga, qui ont acheté cette parcelle auprès de M. Kibibi Humo. Ok. Donc, en ce moment où je suis en train de te parler, Ongana Yotosola, nous avons les documents, nous avons le certificat d'enregistrement qui nous a été donné par le ministère de l'époque et affaires foncières. Je vois ici en 1980. Oui, oui, c'était en 1981. 81, oui. Qu'on avait acheté cette parcelle. Et après l'achat de la parcelle, M. Gaïga, parce que c'est sa parcelle, il s'est décidé, il dit non, je vais loger les agents de ma société. Babandi ko loger wana. Babandi ko loger wana de 81, ti nan 92. Oui. Ti nan 92, ils étaient là dans cette parcelle. Et après, il s'est dit non. Après 92, il s'est dit non. Au lieu que l'agent va continuer à vendre, ngai moko na ya ko vanda, ngai na famille na. C'est ainsi que il prend sa famille ba ye ko vanda wana. Après un bout de temps, il est commis résidence familiale parce que c'est sa parcelle. Il peut en faire comme il veut. De 93 à 96. Voilà. Oui. De 93 à 96, c'est comme qui résidence familiale. Reconnu. Reconnu. Oui. Toute la famille était là. Et après un moment, la famille va voyager, va qu'il y a faire na bango. En revenant, va kouti, va tout bandi ko buka, va bandi ko occuper place. Sans autorisation, sans coaviser même la famille au coup concerné à Lupa. Donc, la famille, ils étaient en absence. Bazaki absent na mboka, bazaki ti. La famille n'était pas à l'étranger. À Bazaki, un étranger. Okay. En revenant, il vous a surpris. Akuta, Batwazo Tonga, Batwazo Buka, et tout et tout. Qui sont ces personnes-là et sur quel droit? Ces personnes-là, au Babandé Kotonga, d'abord, la dame Oyo, qui s'est prétendue avoir le vrai document, la dame qui s'est dit qu'elle a de vrais documents. Il y a la parcelle. La dame s'appelle Madame Christine Kazarkis. Kazarkis. Voilà. Okay. C'est elle qui a monté une, je vais appeler ça une manœuvre, créant une fausse société, une fausse entreprise. Et elle s'est dit non, j'ai acheté la parcelle auprès de Monsieur Franco Jacques. Souvenez-vous, quand je parlais au début, que M. Humo Kibibi, c'est lui qui était le propriétaire. Le propriétaire, oui. Maintenant, M. Humo Kibibi, Wali Kinda, c'est son nom. Oui, okay. Lui, maintenant, a acheté la parcelle auprès de M. Franco Jacques. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. M. Franco Jacques, à Botami, pas Iwapi. M. Franco Jacques, plutôt, M. Kibibi, c'est lui qui a acheté la parcelle auprès de M. Franco Jacques. Donc, propriétaire, il y a Kolo Lupang Waliboso. Waliboso. Ezaki, M. Franco Jacques. Franco Jacques, oui. M. Franco Jacques a vendu la parcelle auprès de M. Humo Kibibi. Ok. Vous comprenez? Oui. Alors, quand on a vendu cette parcelle auprès de M. Humo, M. Humo maintenant s'est dit non. Parce que c'est sa parcelle. Oui. Il se décide, il dit non, je vais vendre ma parcelle. Après qu'on s'en est tout et tout. Après qu'on s'en est là, il n'y a pas le bilan. C'est normal, c'est logique. C'est logique. C'est logique, le bilan n'a pas le bilan. Et il prend, il vend sa parcelle à la société SII qui détenait M. Gaïga, qui est le père de Mme Gaïga. Docteur Gaïga. Qui est le père de Mme Raïssa Gaïga.
mais problème fondation il y a problème et où tu vois des lolo tout le monde toyoki tout le sur terrain au moni la parcelle est mise scellée parce que la justice s'est emparée tout le monde y a comme suspension ce qui séquestration voilà suspension des travaux parce que la parcelle elle est séquestrée par la justice. Ok, donc dossier à l'Ikambo Yangoala. Et ce qui m'intrigue dans ces dossiers, ce qui m'a fait mal dans ces dossiers, la dame, madame Christine. Christine, oui. Madame Christine dit que moi j'ai acheté la parcelle auprès, d'abord dans son certificat, dans son contrat. D'abord, dans son contrat, c'est écrit que j'ai acheté la parcelle auprès des héritiers Franco-Jacques. Et après, dans son certificat, c'est écrit que j'ai acheté la parcelle auprès de monsieur Franco-Jacques lui-même, en personne. Et pourtant, monsieur Franco-Jacques décédé déjà depuis 2001. Et en 2002, madame Assombi. Voilà. Donc, après sa mort. Après sa mort, imagine. Moutakoufi déjà, ouais, madame, on écrit dans son certificat que la parcelle a été achetée en 2001. Ah, mais monsieur déjà, en 2002 plutôt, le monsieur était mort déjà depuis 2001. Vous voyez cette confusion-là, cette fausseté au Batubazanango. Et la dame se permet de diviser la parcelle, de vendre la parcelle. Morceler la parcelle, je t'ai dit. Morceler la parcelle. Et la parcelle en conflit... Si la parcelle est en conflit, personne ne peut t'acheter. Comment toi tu peux, tu t'es dit, tu connais que cette parcelle, ou même si tu ne connaissais avant, tu dois te renseigner où il y a que le pango est en conflit ou pas. Oui. Les gens se permettent, viennent, prennent part, prennent des pourcentages, achètent même. Mais qui sont ces gens-là qui ont acheté la parcelle? Et ils ont acheté aussi cette parcelle dans le certificat Moko d'enregistrement, il y a faux. Dans mon folio numéro 126, numéro 62, voilà. Folio, certificat d'enregistrement. Faux certificat. Je vais te lire, je vais te lire les gens qui ont, je vais te citer leur nom. Oui. Batoyo Basombi, également cette parcelle, qui ont acheté le part, qui ont des parts dans cette parcelle. Il y a Monsieur Fini Lokoto. Monsieur Fini Lokoto, à ce qui paraît, à ce qui paraît, c'est un parsec de l'ancien. Le roi chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major. Général Mbala. Général Mbala. Okay. Il paraît que. C'est son parsec. D'Assomba morceau, une partie. Oui. Il a sa part dans cette parcelle. Or que cette parcelle-là, la famille, quand elle cherchait à reprendre cette parcelle, bah, jugement même, Isa, parce que dernièrement, avant même que le feu, le docteur Gaïga puisse mourir, Kenda y a la justice. Kenda y a parqué. C'était en 2014, quelque chose de comme ça. Et par qui et ça qui a raison. Et on sait que c'est Kaïga n'a pas droit à l'aise. Mais ça qui est n'a pas droit à l'aise. Et si Kanabino Bozoa, il faut que tu aies ton angaï. Et ça qui est n'a pas droit à l'aise. Et puis si il m'a belé à l'aise. Et puis après, la dame Christine a accueilli qu'au contrecarré les sous-sous. Décision. Il y a par qui. Par qui, oui. Accueilli la cour constitutionnelle de l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était la cour constitutionnelle. La Cour suprême de justice, oui. Voilà. Accueillir la Cour suprême de justice pour abolir décision où il y a parquet. Et à cette époque-là, magistrat et la Cour suprême de justice, après ça qui est raison, à cette époque-là. Mais la parcelle même, ou le certificat d'enregistrement, où la dame déambulée avec. Et ça qui va faux certificat. Ok. Il y avait
il y avait des contradictions et des contradictions. Imaginez que mon lawa piscine a un certificat d'enregistrement, ma commis, en même temps ma commis République démocratique du Congo, en même temps ma commis République du Zaïre, la certificat mon corps. La certificat mon corps. Je vous dis. Voilà. Ok, dans mon yangwa. Au mon lawa piscine a un certificat. Ma commis République démocratique du Congo, la même certificat ma commis République du Zaïre. Ça se fait où? Donc, je veux pas dire ça. Magoui, Zali. Voilà. Et... ce qui prouve, elle est claire comme l'eau na, de la roche. Mm-hmm. Elle est claire que le bah, certificat ou la dame bah, s'est déambulé avec. Mais ça qui est faux. Oui. Et je vous dis, parce que notre pays, bah, Congolais, tout. Bateau, tout Zaralambo, Kanabiso, tout Zanamité, Maté, tout Linganité. Oui. Cette dame est venue proposer à la famille au nom parce que d'abord ce n'était pas une proposition fondée parce que à Salaki on n'a pas norme était elle vient elle propose au nom je vais vous donner 800 000 parce qu'à Yébique à Zanaka sa société donner à la famille 800 000 dollars. Ok, na komona on a tangi mokanda tango madame Christine na faux certificat au ya kinengo nde azui ma azui pifo kene kote ka yango et pas mais c'est fini le coton. Oui, mais c'est fini le coton. Oh, mon candidat c'est monsieur lui était à Zalaki par sec par sec. Il y a général Mbalamusi, voilà. Voilà, et c'est monsieur na partenariat na ye na na monsieur Nawel Kadouk. Oui, nde suko ba kayi ko sala ba appartement kote ka ngo eteni kino. Et bah, à combo nyonso na moni a ndeko Sylvain. Oui, bato nyonso oyo bazui ba part na kati ya ya nini à l'époque il savait que le pango oyo ezala na boba justice, la justice tous ces gens les savaient. Il y a monsieur Georges Mukuna Disopaf. Il y a monsieur il y a la société l'Universal magistrat civil. Voilà, même ce qui fait mal ndeko nangai il y a même monsieur ici, notre monsieur Lobota Mayala Joanne, voilà, monsieur Eric Mandala, voilà, tous ces gens, Eliane Saïd, Eliane Evariste Boshab, il y a même l'honorable Evariste Boshab qui a sa part dans cette parcelle. Mais est-ce que honorable Evariste Boshab, un homme de droit, Nathan Oyewana Pinza a ses renseignements qui t'aille balancer le pango dans quoi qu'on soit à Macambozé, dans quoi qu'on soit à Mikanda, nous nous regrettons parce que à cette époque la parcelle était en justice. Mamaneko Samba. La famille était en justice avec celui qui avait créé ce faux certificat, la dame, madame Christine. Parce que la base, c'est elle. C'est elle qui a commencé ces choses. La parcelle était en justice. Mais Bino, vous le connaissez même. Oui. Vous avez kaka. Qu'ils aient le pont à bas problème, à bas projet, mais en même temps, vous avez le pont à bas projet. Vous avez le pont à bas morceau. Ils viennent acheter. Et le coyo justice n'a pas apaisé l'iloba soukate. Oui. Mais vous venez vous acheter. Vous avez des parts là-dedans. Ce qui est drôle, c'est que il y a même des gens que nous connaissons qui sont des gens qu'on peut dire exemplaires au bateau. Ce qu'on va dire, honorable Evariste Boshab, ce qu'on t'a dit au lobby, non. Cet homme, c'est un homme de droit qu'on peut. Oui. Que Bano, il y a première année, il y a droit. Bako Kozo, exemple. Bazuenda qui s'appelle. Bazuenda qui ça. Ali Pende Moulaki Simonet, on te donne professeur et université. Mais c'est déplorable de Konanga Komona que Batuloko la Bango. Bayebi Mubeko. Mais Bazo Kende Okoyaka n'a pas piège. Ya Bongo. C'est déplorable. Et c'est comme ça que la situation elle est devenue dans ce sens-là. Madame Raissa Mouinza Kaiga, ça s'est payé à Kobanzanini. Et là, on y a aussi un abakondi, ça s'est payé. De Konangaï. Démarche aussi à entamer
pour la solution à ma camboy ou à la réclamation à l'OPAM. Ndeko Sylvain, justice ya mboka ou tolobakango nganyoso que un pays ou mboka ou justice est à malamouté à kambope ko tambolaka jamais. Moi en tant que Congolais, je crois à notre justice. Je crois à notre justice parce que je sais, j'ai confiance à cette justice. Ata komo konzambo ka azo milela mokolo na mokolo azo loba ete ba zuzi ya mboka na biso esengeli ko tia bango na ba condition. Mais moi je crois que même dans le mauvais il y a le bon. Il y a le bon. Oui. Madame Gaïga, Raïssa, a kangaki ma beau côté. Oui. Elle a continué à voir, à aller auprès des autorités, à aller auprès de juridictionnels pour qu'à revenir. La raison. Dernièrement, elle est allée, elle a introduit officiellement la lettre auprès du ministre de la Justice. Oui. C'était à l'époque qu'on avait l'ancien chef d'État. Joseph Kabila. Oui. Elle a introduit sa lettre. Tout en 2018, voilà. 2017, déjà. Donc voilà. 17-16. Voilà. Oui. Elle a introduit sa lettre. Malgré que le ministre a instruit au parquet de revoir, parce que le ministre à l'époque a instruit qui parquet et revoir. Et ça, la liste sont enquête. Enquête en zéro. Enquête, et voilà, et bande la liste. Voilà. Et tant que vous parquez et zongeli enquête, une des places où on a justice, en beaucoup de vous comprenez. Moi, non, on a zaki. Ah, c'est une raison, oui. Et aujourd'hui, la parcelle est sous séquestration. Dengue, tu comment on a pu, non? Tout le monde y a un gana yo. Oui. Imaginez que le pango au colis, au vendu kuna. Mais mon commissaire soyez au couti, bazo buka, bazo panza. Mais le pango ndenga na koleli. Natikali koyo kateke papa ebisinga ke le pango na teka yango. Nateka yango mon commissaire. Natikali koyo kateke. Na papa la kisinga ke tala muto yo ne na pesa le pango oyo. Natikala ko na pote. Mais oyé boyo zongi après ko kende ko tanga to ko kende ko sala makam na yo. Ozongi boyo, ozokuta lopango, ozobuka, ozokuta bazo démolir, ce qui n'est pas normal de konanga. Et ça la capacité, ça fait mal. Maintenant, lopango wandenge to uti komona malgré la police bazali kuna, to komona penza bato bazo kota to ba bato bazo sala na kati ba immeuble to mungu bato ndwana. Oui. Et bazo sala mbongo zo ke madame Raïssa zo zo misolo na ye. Malheureusement pas, la dame ne bénéficie pas. Parce que la parcelle jusqu'à présent elle est en amabou quoi justice. Docteur, bah l'État mutazo bénéficie mais en gros ça y est. Bon, koloba bénéficier c'est un peu dur, mais c'est l'État nde mutazo zoa bah part non bah revenir au quota. Nakati donc parce que elle est entre les mains de l'État. Oui. Botouza qui n'a bien là tout moni bah police ndenge bazo pardon donc ni de l'autre côté ni de notre parti. Personne ne bénéficie jusque-là de ce qui est produit dans cette parcelle. Oui. Il n'y a pas de souci à Madame Raïssa. Voilà, souci na Bissou Ezali, dès que l'État a zongi cela la dame, a zongi cela la famille, et le konabango, le pangonabango. C'est ça notre souci, c'est ça notre inquiétude. Vous aviez jugé, vous aviez vu, comment est-ce que l'État a zongi ça qui est na mibeko na droit na ye. Alors remettez-la la parcelle pour qu'elle puisse continuer à faire ses activités normalement. Na dossier on est aux alliés qu'au tal sabiso pendant explication ali pole makasi n'ingé beaucoup singa na chef de l'État où ils ont prôné ba valeur, ils ont prôné état de droit. Le bien c'est que les botos y a mibeko et zala botos y a mikanda respect. Il y a un texte, il faut aller à la présidente en cas. Si vous avez un conseil, vous avez un Ndeko. Vous avez un conseil, vous avez un Ndeko Sylvain, na ebisio, à l'époque, comme je venais de le dire,
si on avait le droit de tout faire, mais ce n'est pas sous Félix Tshisekedi que tu veux, tu vas te lever le matin, tu vas te dire que tu as le droit de tout faire. Non. Cet homme-là a combattu Tobima la balabala. Tobima la balabala, tu as gaz à l'époque. Oui, oui. Yo yebi, tu as gaz à l'époque pour gagner. Oui, parce que nous avions gagné. Qu'on gagne état de droit autres en Angola. Alors, personne, nous ne pouvons, nous ne les permettrons jamais qu'un individu vienne se dire que cette chose-là m'appartient. Non. On ne s'accapare pas de la chose comme ça. On l'achète. Et on ne l'achète pas d'une manière frauduleuse. Oui. On l'achète à qui de droit? À qui de droit, oui. Hein? Donc, problème est ça, on a mis tout ça que le pango appartient, la parcelle appartient à la famille Gaïga. Qu'on remette cette parcelle à la famille. Ok. Oh, parce que il y a une loi qui dit, tu construis chez moi, ça reste à moi. Qui construit chez autrui? Oui. Et qui est pas autrui? Donc, oh, nous sommes qui parce que c'est autonga nous. Donc, tu n'as rien à me demander. Parce que quand tu as commencé à construire, tu n'es pas venu me voir. Vous voyez comment on a gâté? Où se trouve actuellement Madame Christine? Parce que Yendali Moussissé à l'Ikambo. Naibisio, la dame, elle est citée. Ce n'est pas son premier forfait. Ce n'est pas son premier forfait. Je te montrerai une fois le journal. La dame, elle est citée dans beaucoup de problèmes de la sorte. Ok. Oui! Je t'ai montré, je n'ai pas au journal mon corps dernièrement qu'on a, que la famille a. Ce n'est pas ça, ça ni forfait na liboso. Et ça forfait na liboso. Okay. Donc, c'est que nous devons comprendre ici, Isaac, que la famille Gaïga est victime. Okay. Elle est victime en ce moment ici, elle est victime. Bato, Yamaka, Sibalini, Baboto, la Bango, le Bango. Et si tu es allé dans le boulevard, elle est comme. Oui, parce qu'on a envie, parce que c'est. Boulevard, les yeux excités. Voilà. Oui. Et puis on vient, on monte les engins, on commence à construire. C'est ce qui se passe. Problème de Yangoua. Voilà. Merci beaucoup, Otoali Kosenga. Nabakonzi, Yaiko, le Congo démocratique. Et c'est que le dossier à ma pango est quitté. Moi, je ne suis pas malté. C'est que le réglementer dans le secteur de l'affaire foncière parce qu'il y a un conflit à l'Imingi. Tout le monde récemment, bon, ministre, n'a pas député et consort. Mais tant que vous la justice, et que ça, vous avez un bon et que pas si Mingi. Vous avez un bon humanité, vous avez magistrat, si vous avez un critique qui vous avez un magistrat, vous avez lobby et telle transaction, et le Kimingi dans le secteur, vous avez un bon réglementer en gros penza makasi mingi et causa la penza malamu qui construit chez autrui construit pour autrui biso bato lobi en gros tel loba mabongo ou to mokili za mokili donc donc c'est la justice ba Eric Mandala ba nani le monsieur ici s'appelle comment monsieur Lobota Mayal binonyo so bozana ba par na bino ne venez pas nous embêter. Ne nous embêtez pas. Okay. Vous avez acheté auprès de la personne qu'il ne fallait pas. Voilà. Merci beaucoup. On est que trop Lilobasouk à Tokabana. Oui, Lilobasouk et Zaka que d'abord je félicite notre justice parce que Azungisi a l'acquisi que Mibeko Zaka Mibeko. Oui. Parce que jusqu'à ce que la parcelle comme sous séquestré Bongo. C'est parce que. Bah, moi, elle parle la vérité, ça m'en casse. Voilà. Mais ce que je vais demander, c'est que. Le collabo découvrir vérité, c'est la bisouskoyo, le pango. C'est la famille, le pango, pour que je bénéficie de Nyosu Ezali par Nayango. C'est ce que nous pouvons seulement demander. Voilà. Et je vais tout de même réconforter la famille et donner beaucoup de courage à cette dame, à cette brave dame, madame Raissa Gaïga, okay. Qui aujourd'hui est en train de se battre
est en train de se battre afin de récupérer cette parcelle qui lui a été donnée. Ok. Parce que la parcelle va payer ça. Parce que maman Oumoulissa, voilà, sa mère biologique, et puis elle lui a donné. Ok. Il y a des documents. Ok. Les documents existent. Papa n'a pas payé ça le pango. Il y en a maman naie. Ok. Ça existe. Voilà, merci beaucoup. Tu as mis la émission à Mokolo Mwalelo. Tu as mis la penza justice. Et Salima, na likambo et penza quoi la malam mingi. Merci beaucoup qui sont de partout. Vous continuez à s'abonner, à partager, à liker. Merci. Na Roland Gonde, na Ngambo Masini, na assistance ya Dekalims et à Joffer Mikwete ya Nunga. Merci. Tu as mis la liko ya. Et puis, tu peux aussi m'en pas à Madame Raissa Mouinza Kaigam, toujours tenez bon. Ça ira et puis ça va marcher. Tu peux aussi m'en dire que tu es là. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.